Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session qui a pour but de vous renforcer au niveau du haut du corps et au niveau de vos abdos et de votre gainage. Ce genre d'exercice peut être très utile tout simplement si vous voulez renforcer les hanches à la tête, mais ça peut également être très utile si, comme moi, vous êtes privé de piscine pendant un certain temps et que vous voudriez améliorer votre technique et votre force au niveau des bras pour la natation. Voilà. C'est un entraînement sous forme de circuit, j'ai un relativement bien circuit. À chaque fois, il va falloir faire à peu près 10 à 15 répétitions des exercices. Certains vont être pour le renfort, certains vont être pour la souplesse, ça y en a un petit peu. Voyez, adapté comme vous le voulez, ok. J'ai prévu du petit matériel, mais il y a moyen de faire sans si jamais c'est nécessaire. Voilà. Je vous laisse découvrir tout ceci. Vous pouvez bien entendu vous échauffer un petit peu préalablement. Les autres sessions d'échauffement qu'on avait vues avec les squats, les pointes, les bras qu'on peut y aller, ça peut être très très chouette. Donc, faites ça. Et puis, continuez avec le reste de la vidéo. D'accord? Si vous êtes déjà échauffé, vous pouvez commencer. Faites ça. Alors, le premier exercice vraiment pour rentrer dans le vif du sujet dès le départ, ça va être des pompages. Ok? Pompage large pour travailler bec, épaules. Donc vous pouvez mettre les mains plus larges que vos épaules, ok? On peut être sur les genoux ou bien on peut être sur les pieds, ça je vais vous décider. Et on en fait 10. Très bien. Après les 10, vous avez une mini récup. Les suivants, ça va directement être encore avec des pompages, mais on va aller faire vos triceps. Là, c'est possible que vous deviez plus poser les genoux seuls. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Au lieu d'avoir les mains bien larges comme j'avais l'habitude de le faire, on va serrer les mains. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on creuse le dos, on garde un bon gainage et tout et tout. Soit vous restez sur les genoux pour la même chose, soit vous montez sur les pieds pour la même chose. C'est parti. Essayez de serrer les coudes le long des côtes. Voilà. Parfait. Le prochain, on change un petit peu. On va laisser les bras tranquilles. On passe en gainage et en battement. Salut toi. Pas tout de suite. Hein. Allez, papa. Bien. Alors, pour vous installer sur les battements, rentrez le ventre, prenez votre dos contre le sol un maximum, serrez vos abdos de toutes vos forces. Soit on met les mains un petit peu en dessous des hanches, soit on les met devant ou sur le côté, c'est encore mieux. Décollez un peu vos épaules du sol, serrez bien votre sangle abdominal complètement et essayez de tenir comme ceci. D'accord? Si ça va, vous faites des petits battements. Si ça va bien, vous mettez les bras sur le côté. On en garde 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Ça va valoir vraiment la peine, il ne faut pas le faire spécialement longtemps, mais il faut vraiment bien tenir à chaque fois. Ok. Partie suivante. Toujours au niveau du gainage, mais avec un petit renfort jusqu'aux les épaules. Vous avez une planche du genou et il va falloir, avec vos mains, tout doucement aller vers l'avant et puis tout doucement revenir vers l'arrière. Ça va travailler votre stabilité au niveau des épaules et au niveau des hanches. Moi, je préfère toujours sortir mes pieds du tapis quand je fais ce genre d'exercice. Donc, une belle planche, un beau gainage, tout ça vous connaissez déjà. On avance un peu les mains et puis on ramène un peu les mains. Stabilisez bien tout le temps. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans plancher. Si vous commencez à trop bouger comme ça, c'est pas top. Hein. Enfin, un aller seulement. Parfait. Remontez avec ma lettre. Cool.
L'exercice qui suit, triceps, dips. Moi, j'ai de la chance, j'ai le banc. Vous pouvez tout à fait construire un banc à la maison de la manière que vous préférez. Ou bien prendre une chaise ou un muret, ça fonctionne très bien aussi. Alors, pour les dips, vous posez au début les pieds sur le muret ou sur le banc. Et alors, vous devez ramener à peu près le talon sous vos genoux. Vos fesses relativement proches du banc mais sans toucher. Vos épaules juste au-dessus des fesses. Ok? Et alors, on va pousser avec la paume des mains sur le muret, sur le banc, quoi que ce soit. Avoir les mains bien, bien, bien en dessous des épaules. Et contracter les triceps sans plus de monter. Ok? N'arrondissez pas le dos. Tirez bien vers l'arrière. Contractez un petit peu le dos pour resserrer les omoplates derrière. Et on est parti en descend. On plie à peu près à 90 degrés. Et puis on repousse avec ses bras pour remonter. D'accord? On descend, pousse avec les bras. Essayez de monter vraiment bien. Sentir les triceps qui bossent à chaque fois que vous montez. Et essayez surtout de ne pas vous aider des pieds, ok? Alors, si je n'ai pas dit, mais là, peut-être à peu près 9, et celui-ci, j'en veux 15. Donc, on regarde encore un petit peu. Ok, 5, 4, 3, 2, et 1. Très, très bien. Si vous voulez tirer un peu les triceps pour avoir plus de mobilité à la longue au niveau des épaules, vous pouvez faire celui-ci vraiment juste pour détendre. Et encore pour détendre un peu plus avant la suite. Je vous propose, si vous avez, vous prenez un élastique. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous juste aller les bras derrière ou vous prenez un bâton, c'est très très chouette aussi. Et on fait des grands cercles. Devant derrière, vous essayez d'enrouler vos épaules vers l'arrière. Et puis d'enrouler vers l'avant. Ça va vraiment vraiment vous faire du bien. Niveau épaule, pec, développement de souplesse ici au-dessus. Juste encore un aller-retour. Magnifique. Le prochain que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est les rotateurs. Rotateurs mixés un petit peu avec un Schwarzenegger, comme ça, ça vous permettra de bien baisser au niveau des épaules et d'avoir plus de force. Alors, on démarre comme ceci, donc c'est un petit mix et une petite combo. On met les coudes au niveau des épaules, on développe, on presse vers le haut deux fois, et puis on revient en bas. D'accord ? Tout ceci, je vais le faire avec vous, tout ceci, il peut le faire 10 fois. Okay ? Donc restez bien droit, serrez bien au niveau du ventre, stabilisez au niveau du bassin, et puis ce qui prime, ce sont vos épaules. C'est parti. Hop, hop, développez deux fois vers le haut, et revenez ensuite. Sans poids, ça fonctionnerait aussi, ça va beaucoup, beaucoup moins vous renforcer. Mais histoire de quand même faire quelque chose dans cette période, vous pourriez le faire sans. Maintenant, si vous avez plutôt une charge légère, 1, 2, 3, 4, 5 kg max pour les garçons au début, ça peut être pas mal. Allez, je pense qu'il en reste encore 4. Très bien. Celui-là, il valait la peine. Le prochain, planche latérale. Je vais vous montrer 100 fois, mais il y avait moyen de les mettre. On verra ce qu'on va faire. Alors. Placez-vous en planche latérale sur les pieds ou sur les genoux, d'accord ? Soit avec la main, soit avec la voix, si jamais il y avait un souci au niveau du poignet ou au niveau du coude. Essayez de démarrer avec les pieds l'un au-dessus de l'autre, si vous voulez compliquer un petit peu les choses.
Et alors, en restant super, super stable, on va ici essayer avec la main d'aller le plus loin possible, d'accord? Et puis de remonter tout en douceur. On fait ça 10 fois. Le côté qui est du côté du sol, donc votre épaule, vos hanches, vos dorsaux. Tout ça, ça travaille, ça vous stabilise. L'autre côté, vous l'étirez et vous l'enroulez en douceur. Je pense qu'il doit à peu près en rester 4. Normalement, vous avez beaucoup, beaucoup senti que ceci se renforçait. D'accord ? C'est, les planches latérales, c'est toujours très bien à la base pour ce qui est taille, oblique, etc. Mais c'est vraiment un exercice complet. Et donc, en le faisant de cette manière-ci, tout votre côté ici va se renforcer. Et comme je vous l'avais dit au début de la séance, si vous nagez, c'est vraiment une bonne idée. On se stabilise un maximum, on est le plus droit possible. Et ça. Un bon petit point de repère, ce serait d'essayer de mettre la main un petit peu derrière le poignet ici. On peut inspirer quand on ouvre. On peut souffler quand on tape derrière. Encore 3 ou 4, je ne suis plus sûre que ça va faire. Parfait. Si jamais les poignets ne va pas, sur les avant-bras, d'accord? On essaiera après ensemble. L'exercice qui suivait. Regarde, c'est là. On va partir sur le ventre. C'est un exercice qui va renforcer et votre dos. Relombaire, un petit peu vos fessiers en plus. Ça va nous vous donner de la mobilité. Vous allez devoir faire des battements avec les jambes. Vous allez devoir imaginer que vous pouvez également battre avec les bras. Et tout ça va renforcer votre chaîne postérieure. Alors, on se met complètement à l'avant. Vous décompressez ischio et fessiers pour décoller vos jambes. Mais ça va également travailler sur le bas du dos. Vous contractez bien cette partie-ci. Et au niveau du haut du corps, il faut resserrer les jambes plates. Et sentir vraiment qu'au niveau des dorsaux, ça va bousser également. D'accord? Essayez juste une fois de tout décoller, presser et respirer 2 fois. Très bien, relâche. Déjà là, normalement, vous allez sentir qu'au niveau du dos, ça a bien travaillé. L'exercice consiste à lever un peu plus le bras droit et la jambe opposée, donc la jambe gauche. Puis, l'inverse. Le plus fort possible, pas le plus haut possible, mais avec le plus de contrôle possible, tout en longueur. Et donc on va battre comme ça un rythme assez soutenu sans exagérer pendant les contrôles. Ok? Allons, les analyses, dès que vous avez compris l'exercice, pas pour mettre la tête sur le côté, mauvaise idée, gardez la ligne dans le prolongement du dos, ce sera beaucoup mieux. Donc, on lève tout, et quand on l'a, on y va. Encore 2 respirations, cramponnez-vous bien. Mettez les mains près des épaules, posez un fond pour relâcher. Respirez un peu avec le ventre, lâchez complètement les épaules, les bras. Quand vous expirez les 2 prochaines fois, rentrez bien dans la colonne. Et le ventre,
se lâcher un tout petit peu après le coup que vous voulez faire. Très bien. Dernier exercice pour la série. Renforcement nouveau en planche latérale. De nouveau, épaules, dos, oblique, stabilisation, gainage, mais également un petit peu de fessier également. Soit comme ça, soit je vous montre autre chose au niveau du bras. Comme ça, vous avez plusieurs possibilités. On peut démarrer comme ceci aussi. D'accord ? 15 fois, levez la jambe jusqu'ici et puis relâchez au sol. Essayez de ne pas bouger vos hanches cette fois-ci et d'être vraiment hyper stable. C'est parti. 10, on touche presque le sol. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On change. Sûr que vous avez senti au niveau de la fesse et de la jambe qui était au sol, ça a également travaillé. C'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. Je vous propose un petit break et on refait l'ensemble de la série. Une minute, c'est bien ? Ouais. Alors, ce premier tour, c'était pas mal. Pour le deuxième tour, moi, je vais vous proposer un petit peu plus de matériel de temps à autre, peut-être un peu plus de répétitions. Libre à vous de me suivre, ou bien de garder les mêmes options. Ce sera la première série, d'accord ? Faites vraiment en fonction de vous, je sais beaucoup moins vous surveiller que d'habitude ou vous guider. Donc, en fonction de ce que vous ressentez, adaptez la séance. On repart avec les pompages larges, ok ? Pec, épaules, bras dans leur ensemble. 10, 9. Moi j'ai fini, j'espère que vous aussi. La prochaine série c'est à nouveau de pompage. Je me serai répéter cette fois-ci pour que vous puissiez voir mieux. Triceps, donc au lieu d'avoir les mains larges, vos mains sont juste en dessous de vos épaules. On descendait comme ceci si vous preniez les options, ou bien on descendait comme cela si vous pouviez rester sur les pieds. D'accord ? Je fais 5 en option, puis je fais 5 sur les pieds. Vous décidez. Go for this. Vous pouvez lâcher nos mains posées en plan si vous voulez, ou autrement. Après les deux sortes de pompes, nous avions les petits battements. Autre option pour les petits battements, si vous n'êtes pas à l'aise en étant fort proche du sol comme on l'a vu au début, vous pouvez mettre vos avant-bras ici, à condition de ne pas forcer trop sur vos épaules ou sur votre dos, sinon c'est foutu. Ça ne travaille pas du tout ce qu'on veut si vous faites ça. Et alors, vous pouvez allonger les jambes là. D'accord ? Ça, c'est si vous devez vous entraîner et vous améliorer. Parce que le but, ce serait quand même plus cool de descendre. Je vous montre avec les mains en dessous des hanches. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était possible. Ça permet généralement de mieux positionner le bassin, la colonne et d'activer vos abdos. C'est parti ! Encore une respiration. Et on lâche. Super. Planche. Marchez devant. Revenir en dessous.
Vos positions de base sont vraiment vos mains en dessous de vos épaules. 1, 2, 3, 4 à peu près. 1, 2, 3, 4 pour revenir. Je ne sais pas quelque chose qui glisse hein, pour celui-ci, sinon c'est embêtant. Je vais d'ailleurs vous mettre dans ce sens-ci, ce sera plus facile. Prêt? C'est parti. 4 allers-retours cette fois-ci. Devant, devant, un peu plus devant, un peu plus devant, on vient derrière, derrière et en dessous des épaules ensuite. Go. Si vous savez descendre un peu plus, je suis pour. Tant que vous gardez beaucoup de contrôle au niveau du mouvement. Encore 2 allers-retours. Personnellement, je trouve que le deuxième tour roule un peu mieux que le premier. Dips. Bon, chaise, prêt, à vous de voir. Ouvrez le buste, recevez les omoplates. Positionnez-vous comme tout à l'heure et c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6. 10, c'est s'il faut vous ménager un petit peu. Sinon, tout à l'heure, on a fait quoi? On a fait 15. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Un peu de stretch pour les triceps si vous en avez besoin. Sinon, le prochain, je vérifie que je ne me trompe pas. C'était l'élastique. Élastique ou bâton, ça fonctionne aussi. Peut-être qu'avec le bâton, ce n'est pas très souple au niveau des épaules. Peut-être que vous ne saurez pas aller tout en bas derrière. Ce n'est pas grave, vous pouvez peut-être vous arrêter ici. Et de jour en jour, vous verrez ça ira mieux de semaine en semaine. Dernière fois. Magnifique. On change. Rotateur pour les épaules. Personnellement, je trouve qu'il chauffe fort celui-là. Si vous avez des poids à la maison, à la marge, j'ai choisi des poids de 3. Pour aujourd'hui, vu le reste de la semaine, c'est bien. Il faut sentir que ça chauffe, il ne faut pas que ce soit insurmontable, mais il faut sentir que ça travaille. Démarre ici, on a vu que c'est rotateur. Et Schwarzenegger, selon des rotateurs et deux développés, si vous connaissez encore les noms. On monte, ou presque deux fois au-dessus, et on revient. Il y a vraiment beaucoup de rotation au niveau des épaules sur celui-ci. Si vous avez un miroir à la maison, essayez de vous corriger, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on peut avoir les coudes qui ne vont pas vraiment à la même hauteur des deux côtés. On peut se rendre compte qu'il y a un bras qui est moins fort que l'autre, qui ne fait pas exactement le bon exercice. Il nous reste encore 4 séries pour arriver jusqu'au 10. Courage. Dernière fois, on s'accroche. Après les rotateurs, c'était la planche avec la petite rotation. Rotation au niveau du dépôt, l'autre restait super stable. Éventuellement, vous pouvez prendre un poids. Si vous prenez un poids, faites attention dans le sens où si vous allez trop loin avec le poids, quand vous êtes vraiment en planche latérale, votre épaule ici risque d'aller derrière et vous risquez de ne pas savoir la rattraper. Donc pensez à être bien ouvert, mais dans l'alignement, vous ne pouvez pas aller trop vers l'arrière. Aussi, quand vous allez vouloir faire le petit cercle ici, faire la petite rotation, n'allez pas trop vite vers le bas, contrôlez bien tout, parce que ça va réellement tout changer et ça pourrait très vite vous amener vers le sol. Histoire que vous ayez peut-être un petit peu plus facile, ça
soit les pieds pouvaient se mettre l'un au-dessus de l'autre, soit vous les séparez un peu. Hop. Voilà. En fonction de ce que vous avez choisi, on est parti pour 10. Donc le poids un petit peu en dessous de l'épaule, et puis on remonte. Derrière. Voilà, ce sera bien. Je pense qu'il en reste à peu près deux. Parfait. Même série de l'autre côté. Si vous avez fait comme moi, si vous avez mis les pieds en décalage, que peut-être vous avez mis un peu en plus, on sent qu'au niveau des bras, c'est un peu compliqué. Mais si les jambes, vous les avez mis comme ça, c'est plus facile. D'accord ? Les deux pieds l'un contre l'autre pour le tour d'après, ça pourrait être une bonne idée. Ou pas, et vous êtes en train de dire, voilà, encore une mauvaise idée pour la suite. Deux. Super. Avant-dernier pour cette semaine, sur le ventre, battement de jambes, battement de bras entre guillemets. Contractez bien toute la chaîne postérieure, décollez tout. On monte un peu plus, main droite, jambe gauche. Et on alterne. Et ça va prendre la couleur. Encore deux respirations, contractez tout le poids contre les fentes. Et on lâche. Vos enfants pour récupérer si vous voulez. Et on termine avec la deuxième planche latérale. Sur cette planche, si vous deviez lever cette jambe-ci vers le haut, on était soit sur la main, soit sur l'avant-bras, j'avais dit que vous montrerez les deux. Et alors au niveau des jambes, tout à l'heure, vous avez une jambe tendue, l'autre pliée. On va voir deux possibilités de corset seulement si ça vous intéresse, d'accord? Tantôt, vous étiez comme ça. Ici, vous pouvez mettre un poids en plus là. Et vous pouvez, si vous voulez, tendre les deux jambes. On est parti pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. La grosse pause est proche, donc restez courageux. Hop! Sur le genou ou sur le pied, c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Waouh! Sans forcer, vous pouvez détendre un peu les épaules et les autres muscles qui sont autour. On n'a pas fini, hein. On fait un troisième tour. J'espère que jusque-là, ça se passe bien pour vous. Au niveau du troisième tour, soit vous me suivez, même genre d'option que précédemment, ou encore vous revenez plutôt sur la première série, ou bien vous corsez encore.
Tu nous fais un chien de ton bateau? Il me reste encore un jour. C'est reparti pour les pompages. Pompage pec, pompage triceps. Donc j'espère que vous avez un peu récupéré. On est un? 10, go! Je sais qu'il y en aura des plus rapides, je sais qu'il y en aura des plus lents. Si jamais vous voulez mettre pause sur la vidéo, vous n'hésitez pas. Après les pecs, on avait le pompage triceps sur les pieds, sur les genoux, en fonction de votre état de fatigue et de votre force au niveau des bras. Donc, 10 également, c'est reparti. Eh bien, pour cette troisième série, c'était pas mal. Hein. Changement de position pour le troisième exercice. Vous aviez les battements. Je vous avais montré dos au sol, bras sur le côté pour le décoller, mains sous les hanches. On va voir ce qu'on peut faire. J'aime pas mal comment vous avez les bras devant. Personnellement, je trouve ça bien. Ah oui, un petit truc si vous avez vous mettre en place. Vous démarrez ici. Vous rentrez à fond. Non, tu n'as pas aimé ce booster. Et vous descendez à le contrôle jusque-là. Okay. Ici, vous serrez bien fort. Vous respirez deux fois si vous voulez. Quand vous expirez, vous contractez au niveau du pec, au niveau du bas du ventre. Vous rentrez dans le bras très très fort. Et puis quand vous le sentez, vous décollez les jambes. À peu près 5 respirations. Ou à peu près 30 battements comme on avait fait au premier tour. Là, j'ai encore tenu pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Wow. On tourne. Planche. Planche, vous devriez marcher. Revenir. On a fait 4 allers-retours tout à l'heure. Si vous voulez aller jusque 5 pour celui-ci, vous pouvez. Prête, devant, 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 devant. Si c'est nécessaire, vous prenez des breaks. Si c'est vraiment, vraiment très nécessaire, vous posez les genoux seuls, mais vous continuez d'avancer avec les bras et d'avancer avec les hanches. Encore deux allers-retours. Next, dips. Sur les dips, vous pourriez vous lester. Autrement dit, vous pourriez mettre quelque chose sur vos jambes si vous avez envie. Ou bien vous pouvez les tendre. Faites juste attention si vous les tendez, ne pas commencer à forcer avec le bas du dos. Ça reste, si vous les tendez, c'est vraiment ça reste la même chose que d'habitude. Hop, on le sent. On remonte. Et ne forcez pas avec votre dos. Ok, vraiment juste le bras aujourd'hui. Si c'était 10, on arrête là. Si c'était 15, dans 5, 4, 3, 2 et 1. Micro-stretch au niveau triceps comme ceci si vous en avez besoin. Ou directement l'élastique, le bâton, renroulé vers l'arrière. À vous de voir. Il n'y a pas de souci, moi je pense.
Mais c'est bien de l'étendre pendant celui-ci. Nous entendons que les épaules qui, pour une fois, montent vers nos oreilles pour vraiment enrouler derrière et puis enrouler devant. Et plein d'autres choses, je monte pour rester bien droit. Arrête d'avoir les épaules loin des oreilles pour celui-ci. Encore deux allers-retours. On accentue un peu sur les épaules. Mix entre un rotateur, Schwarzenegger, développé. Cette fois-ci, vous ne montez plus les épaules. Maintenant, on travaille avec l'exercice RF de base. On est parti pour 10 séries. Si j'ai bien compté, il en reste 3. Parfait. Planche latérale, je pense, je le dis. Oui. Planche latérale avec la rotation au niveau du haut, mais pas au niveau du bas. Dans la première série que nous avions faite aujourd'hui, j'avais les pieds l'un au-dessus de l'autre. Dans la deuxième série, j'avais pris le poids, mais j'avais espacé les pieds. Pour cette série-ci, si vous voulez, vous me suivez. Les pieds reviennent l'un au-dessus de l'autre et on garde le poids. J'avais pris 2,5 tout à l'heure, je prends 3 maintenant. N'exagérez pas, faites quelque chose avec lequel vous vous sentez à l'aise. Hop. C'est parti pour 10. Voilà, chers allers-retours, si les options que je vous ai proposées vous conviennent, vous les gardez. Si pas, vous vous adaptez. Et si vous ne savez pas trop quoi, ou si vous n'avez pas été trop bien mis, faites une vidéo et envoyez-la moi après. Dernier. Cool. Y a-t-il micro, au secours. J'ai de nouveau un micro manuel. Il y aurait deux exercices, celui pour renforcer le dos, les lombaires, avec les petits battements de jambes.
et le bras entre guillemets. On décolle et on reste à peu près 5 respirations, comme précédemment. Si vous avez du mal à synchroniser, prenez le temps. Et puis, accélérez un peu le mouvement. Cherchez vraiment à vous allonger très très fort sur cet exercice et à contracter un maximum tout l'arrière de votre corps. On vous lâche aussi. Dernière planche latérale, celle sur laquelle vous posez. Levez une jambe. Avec ou sans poids, même genre de poids que tout à l'heure, ou bien alterner. On peut faire sur l'avant-bras, on peut faire sur la main. Je continue de vous montrer un peu tout. C'est parti pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Dernière série. Après, c'est fini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Oh. Super, tout le monde. Alors, que ce soit pour renforcer le haut du corps et le centre du corps, ou bien que ce soit pour votre natation, j'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui me suivent et qui ne savent pas nager, je sais qu'il y en a quand même pas mal parmi vous, je vais poster une autre vidéo avec des élastiques pour travailler vraiment sur votre mouvement. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas peut-être à l'intégrer ou à l'alterner avec cette séance-ci. D'accord ? Je vous laisse bien utiliser tout ça, à vos séances sans vous blesser, et n'oubliez pas, vous pouvez toujours commenter ou nous envoyer vos feedbacks. Passez une excellente journée, à bientôt.